Dans le cœur, on fait quelque chose sans te consulter, en même temps on t'invite d'assister à la signature du contrat. Ah, la famille, dis-moi si c'est vous-même qui va partir. Non les gars, bonjour maître, bonjour, bonjour. Ah maître, vous faites quelque chose sans me consulter et vous m'invitez. Les gros bras, Cameroun. Tiens, non, l'humiliation. Tiens. Mais à la signature du contrat, non? Avec le nouveau sélectionneur, tu n'as pas vu ça? Tiens, non. C'est. Il y a mis ça sur la page de CFoot. CFoot. Aïe. Mais ils veulent respecter la procédure. Ils veulent respecter la procédure. Un peu comme tu refuses le mariage de ta fille. Tu refuses le mariage de ta fille avec quelqu'un. Hein? Elle décide d'outrepasser. Hein? Elle refuse d'outrepasser ta volonté. Mais quand même, on t'invite. Tiens! Non. Le gouvernement de Popol. Non, sans sentiment. Baf! Humiliation. Tiens. Ah, le football. Oh. Quelque chose peut tout te donner. Et c'est la même chose qui t'enfonce. Hein. Faites attention. Faites attention. Parfois, on voit les gens qui renoncent à certaines choses. Que non. C'est pour garder le peu qu'il a dans la vie. Ah oui. On dit, méfie-toi des mauvais partenaires. Ouh, il y a les relations qu'il faut éviter dans ta vie. Non. Refuse. Il y a les relations qu'il faut éviter. Refuse de participer avec certaines personnes dans ta vie. Ça va te causer préjudice. Hey, on peut manquer de respect avec comme ça là. Dans ton domaine, on crie sur ta tête. Hey, non. Non. C'est vraiment marrant avec le régime de M. Biya. Humiliation. Lui-même n'est pas saint. Et comment on a tout dit. Lui-même n'est pas saint. Il n'est pas saint. C'est lui qui aurait cherché. Regardez comment on est en train d'humilier Samuel Eto'o. Hey! Non, nous on savait que quand même, on peut quand même tout faire à Samuel Eto'o, mais on peut pas atteindre un certain niveau. Mais oui! On peut quand même atteindre un certain niveau quand même. Hein? Quand même! Ouais! C'est votre partenaire, les gars. Il a donné sa poitrine hier pour vous. Pendant les élections 2018, là. Hein? Samuel Eto'o pouvait prendre une autre position et les choses changeaient. Quand même! Oh, la politique, hein? Non, que ça ouvre les yeux de plusieurs personnes. Ouais, que ça nous ouvre les yeux. Que Dieu nous fasse grâce, afin que nous voyons la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Eh, Benifre, tu as compris, non? Voilà la vérité. Voilà. Ton rang social, la fonction que tu occupes là, la gloire que tu peux avoir. If you don't have a mind, hein? If your brain is tout, comme disent les Indonésiens, tout peut dire fermé. Ta tête est fermée là, tu ne comprends pas. Tu es mal parti, gars. Oh, tu as fait aux politiciens. Les politiciens, c'est les criminels. Les politiciens, c'est les gros criminels. C'est marrant quand même. C'est marrant quand même. Hein? Vous ne contactez pas quelqu'un. Vous demandez à quelqu'un de venir. Et toi-même, refuse. Vous demandez à quelqu'un de venir. Oui, il va venir là comme ça là. Assister à un contrat où vous n'avez pas consulté, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Et vous oubliez même quelque chose, vous qui supportez Samuel Eto'o là. Samuel Eto'o peut m'avoir même un nouveau sélectionneur, mais il va avoir le visa comment? Il va faire comment pour avoir le visa? On va donner le visa. On connaît le Cameroun, non? On connaît le Cameroun? Ah oui! Directement, quand on annonce qu'on a eu un nouveau sélectionneur, on met son nom dans Blacklist. Ah, c'est terrible.
pays de Pauvia. Ah, tout est dans l'anarchie. Samuel Eto'o. Ouais, au Cameroun. On peut manquer le respect à quelqu'un comme ça là. Seigneur. Tiens. Non. Je ne crois pas quand même qu'on pourrait atteindre à ce niveau là. Ah, c'est vous qui avez dit que vous respectez les institutions. Respectons ensemble. Hein. Voilà, respectons ensemble. Ah oui. Samuel Eto'o a dit qu'il respecte les institutions. Ouais, les institutions là, quand vous dites que c'est le grenier du manque de respect à tout un chacun. Les gens pensent que c'est l'amusement. Eux-mêmes, ils respectent quoi? Et ce qui me plaît avec ces gens, c'est que quand tu fais partie, quand tu les accostes, ils font comme s'ils sont avec toi, alors qu'ils ne sont pas avec toi. Eux-mêmes, ils te laissent abuser des autres. Et le moment venu, ils vont te rappeler. Comme a dit Joseph Antoine Bell. Ah oui. Le moment venu, ils vont te rappeler que toi, voilà ce que toi, tu as fait à tel. Parce qu'on t'a parlé. Ah oui. Le gars était quitté, oui, c'est de. D'un mandat, oui, c'est de 4 ans à 7 ans. Voilà. Je crois qu'on avait contesté cela. Nous, on était les instances voilà, plus hautes que la FECAFOOT. Je pense qu'on pouvait, on devait maintenir les 7 ans là. Ah oui. Donc, méfie-toi de quelqu'un qui te laisse faire des choses, voilà, alors qu'il a le pouvoir de te dire arrête ça. Il te laisse faire. Connaître son tour sera grave. Ouais, c'est marrant quand même, hein, franchement. Non. Il faut qu'il confirme, les gars. Ouais, les gens pensent que quand quelqu'un fait du mal aux autres, voilà, il ne peut pas nous-mêmes nous faire du mal. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi. C'est son habitude. C'est ce qu'il a l'habitude de faire aux autres. Mais il va te faire ça à toi-même. Ne te dérange même pas. C'est juste une question de temps. Ils sont tous, ça n'a même pas duré. Samuel Eto'o en train de lire en vrai. Il faut ses soutiens sortent. Hein. Tous les papas qu'il a souvent aidé là. Vous voyez les hypocrites. La vie, c'est l'hypocrisie. La vie, c'est l'hypocrisie. Quand un ancien est malade. Oh, Samuel Eto'o, papa. Bouche bétine, hypocrisie totale. Mon frère, j'ai compris. Maintenant, je suis avec le peuple. Comme ça. Le peuple, le jour que tu n'as pas. Ils vont dire que. Ah, le gars, s'il a. C'est que quand il a souvent, il pense à nous. Voilà. Mais les gens là, l'individualisme là, les gens qui sont là autour de nous. Non, Samuel Eto'o, c'est mon fils, c'est cela, c'est comme ci, comme ça. Yeah. Le jour que ça arrive, hein? Non. Tous des mendiants. Tous des mendiants. Ils mangent à gauche, ils mangent à droite, sans conviction. On n'est pas obligé de prendre position pour soutenir Samuel Eto'o. Mais on doit aussi apprendre à dire non ou oui. Voilà, ils sont nombreux là à pousser Samuel Eto'o. Non, vas-y petit, vas-y. Samuel Eto'o, c'est la famille, c'est un footballeur, il ne faut pas qu'il oublie ça. Mais voilà une affaire de football que l'État met sa bouche dedans. Vous laissez Samuel Eto'o seul. la vie, hein. Ah, vraiment. C'est la vie. Mon ami, écoute ce que tu dis là, dis donc. Je n'aime pas ça, que rectifie le titre, ça, quoi, il voit. Il y a beaucoup là qui font les lives. Est-ce qu'ils mettent les titres? Moi, j'ai même souvent les titres. Beaucoup là font mettre les titres, mettre des gens. Tu écoutes ce qu'ils disent ou bien quoi? Combien d'entre nous là font les lives? Que tu écoutes, tu te ressens dedans. On parle de la vie, vous êtes tout dans les. C'est pourquoi parfois je n'aime pas lire. Je dis ce que j'ai à dire, après je quitte ça. Alors, au lieu d'écouter ce que je te dis là, tu me parles que Big change de titre. Ce qu'elle dit là, c'est pertinent ou pas? C'est à quoi y voir? On dit que Kombi invite Samuel Eto'o, hein, à présenter le nouveau, à la présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Et ils vont signer le contrat. Ça veut dire qu'on l'invite. Ça veut dire qu'ils invitent Samuel Eto'o. Ils respectent les règles. Maintenant, Samuel Eto'o est libre de renoncer. De dire que bon, je n'assiste pas moi. Dégagez avec ça. C'est tout. Il est libre, non? C'est ça le plus important. Si c'est toi, tu vas dire quoi? Tu vas partir. Dites-moi là, entre nous là, si c'est vous allez assister, oui ou non. C'est souillant, hein. C'est souillant vraiment, hein? C'est souillant les gars. C'est vraiment souillant franchement. C'est souillant. Vous ne consultez pas quelqu'un et vous l'invitez à votre cérémonie.
Non, ça fait du mal, franchement. C'est moche à voir. Ça veut dire que le diable n'a vraiment pas d'amis. Il ne connaît pas qui va humilier. Parce qu'ils savent qu'ils ont le muscle, non, les gars. Vous allez faire quoi? Dans une dictature comme ça, là, vous allez faire comment? Allez, périphère, on t'a donné quelque chose, hein, pour consolider notre image. Tu prends, tu blagues avec. Tu ne fais que perdre. Tu veux aussi choc comme nous. Trop d'humiliation. Ah, en fait, il aurait cherché. Hein. Tant pis pour ceux qui ont pitié de lui. Pour moi, il est un cas d'exemple, voilà. Que ça sert de leçon à tout un chacun. Dans la vie, il faut connaître qui choisit. Il faut choisir tes partenaires de la vie. C'est très important. Voilà. Quand quelqu'un blesse les autres, tu dis que non, moi c'est tel. On ne peut pas me blesser. À ton tour là, tu seras le gros sacrifice. Parce que tu as de l'énergie pure. Il a besoin de toi. Il a besoin. Oui. Il a besoin. Voilà. Il va enfoncer même les gens au sol pour toi là. Pour t'avoir. Alors, combien de fois quand c'est toi-même qui viens, toi-même, tu portes tes deux pieds, tu viens les rejoindre dans les choses. Que ça serve de leçon aux gens. Voilà. Que c'est moi tel, on ne peut pas me faire ça. Ah bon? On abuse les célébrités chaque jour. Tu pourrais te rappeler, non? Tu as voulu consommer ce quoi au Cameroun, non? On t'a sonné jusqu'à... C'est le Gabon qui t'a accueilli. Comme ça ne suffit pas encore. Tu dis qu'il veut être présent dans l'Africa Foot. Il fallait regarder, mais les gens, c'est là-même. C'est eux-là qui tiennent les commandes. Je vais m'en sortir eux comment? Les gens qui interdisent tous les meetings des partis politiques. Hein? Les gens qui interdisent les partis politiques à exercer librement leurs activités. Est-ce qu'ils vont me laisser de bien aussi travailler? Hein? Ils vont me laisser de bien travailler? Ah, tu as que tu... Ah, non, laisse. Ils t'ont laissé faire parce qu'ils savaient que c'est la chose. Mais ils savaient que toi, tu venais pour gagner. Voilà. Et quand tu perds, ça favorise ceux-là qui attendaient ça de toi. C'est politique, non? Il n'y a que les politiciens qui ne comprennent pas. Il n'y a que les non-politiciens qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui ont accepté que Samuel Eto'o prenne la FECA Foot parce qu'il a mouillé le maillot pour eux. Et pour continuer à consolider le pouvoir, l'image de Popol. Mais il y a ceux-là qui souhaitaient que Samuel Eto'o perde. On ne te donne pas le temps que tu veux là. Non, on ne te donne pas ça. Laisse ça. Oh, c'est ceux-là qui veulent déjà comme ça la disqualifier Samuel Eto'o. Parce que pour dire vrai, ça, Popol a un peu de la sympathie pour Samuel. Mais c'est pour ceux-là, l'autre camp. Non, ils ne veulent même pas. Car, mon ami, tu as échoué. Donc c'est eux-là qui sont en train de brutaliser les choses. Ils sont violents, ils n'attendent pas. Voilà, tu as échoué. Eux-mêmes, c'est les grands échoueurs. Même c'est les grands échoueurs. Voilà les stades construits là. Ils ont détourné des milliards. Ils détournent les milliards. Allez, on ne peut pas comprendre. C'est une stratégie, non, les gars. Voilà. Il va détruire quel système. Ah. Il va détruire quel système. Vous êtes les enfants. Vous êtes fans de Samuel Eto'o. Il va détruire quel système. Samuel Eto'o ne peut plus rien faire. On l'a neutralisé. C'est fini. Il faut laisser ça. Alors, là, il a touché la fortune publique. On profite de ça, on te gâte. Faut laisser vos commentaires à deux balles là. Sortez dans le fanatisme. Voilà. Pour détruire un système, il faut être quelqu'un qui a été là-bas peut-être et tu as démissionné. Ou il faut être neutre. C'est comme ça. Il faut démissionner et qu'on ne t'inquiète pas. Et tu comprends? Il faut démissionner étant sain. On ne t'inquiète pas. Et dès lors que quelqu'un comme Samuel Eto'o, qui est déjà entré, il a mis ses deux pieds dedans pendant les élections. Il a donné sa voix. Mon ami, Samuel Eto'o est dedans. C'est même le comportement des joueurs de l'équipe nationale. Quand vous voyez, on vous dit qu'on a convoqué André Onana à la présidence. Vous connaissez quoi? On l'a mis à terre. C'est le patois maintenant. C'est le patois. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. Donc, on a laissé Samuel Eto'o faire des choses. On l'a observé. Voilà. L'engandu là, il est de côté. On l'observe. Voilà. Et ça va dans la démarche de ses ennemis, de ses détracteurs. On est au courant de tout. Voilà, le coach là aura combien? 1 milliard 600 millions. Les autres, s'ils veulent combien? On dit qu'il veut 230 millions. Mais attendez, 230 millions, celui-là nous demande 1 milliard. Mais comment ça? Attendez, mais il veut manger comme nous, notre chose. Ça, c'est notre camp. Les radicaux qui savent qu'après, pour bien, ils vont prendre le pouvoir.
Parce que le côté de Paul Biya ont un peu la sympathie pour Samuel Eto'o. Quand vous regardez, ils ont de la sympathie. Ouais. Mais c'est les radicaux là. Parce que Samuel Eto'o peut influencer le moment venu dans leur affaire. Donc il ne veut pas. Donc Samuel Eto'o doit quitter. Donc on attend seulement que Samuel Eto'o donne sa démission. Et quand tu regardes, c'est eux là qui donnent les instructions à moi les combis. Dis donc, manque-nous le respect au petit là. On s'en fout. Donc, ce qui va arriver, va arriver. Voilà. Ça va avec notre démarche, notre souhait. Petit frère, il y a des gens qui décident de faire avec toi. Mais leur souhait, c'est que tu échoues. Pour démontrer au grand patron que tu as vu, non? Voilà celui à qui on a fait confiance là. Dis donc, ça leur donne la force. Mais oui, non, c'est comme ça la vie, petit frère. C'est le système. On a de l'IA-Berica. Est-ce qu'il faut faire science pro pour comprendre ça? Il faut être un wise man, un don man pour comprendre le schéma. C'est un schéma. C'est un schéma. Il n'y a pas de tolérance. C'est clair. Il n'y a pas de tolérance. Parce que ils se préparent déjà. C'est 2025 qui se dessine comme ça. Voilà. Il faut débarquer. Ça met le tour de la FECA faute. Il faut outrepasser les règles et l'imposer. Si vous montez qu'il a aussi la muscle, boum, on l'expose à la prison. La prison est devant lui comme ça là. On lui sort un dossier. L'État ne manque pas, c'est ça. Que ça met le toit et le sel. Il pouvait le faire à l'époque quand tout le monde l'aimait. Quand tout le monde l'aimait, il pouvait le faire à l'époque. Il va faire ça aujourd'hui à qui? Devant qui? Qui? Il ne fait plus l'unanimité. Chacun a son bord politique, les gars. Faites attention. Chacun a son bord politique. Voilà. J'ai mon bord politique. J'ai mon parti que je supporte, que je soutiens. Alors que quand tu es quelqu'un de neutre, quand tu es une superstar comme les Samuel Eto'o, il suffit seulement que tu t'engages même en politique. Et tu décides de créer ton parti politique. Tu vas voir comment les choses vont changer. Voilà. Les gens vont te soutenir. Je dis bien que les gens vont te soutenir. Mais quand tu décides de dire que je vais donner tous mes titres de ma vie à quelqu'un qui est la cause du malheur d'un peuple, ah, dis donc, laisse ça. Tu perds tout. Tu perds tout, mon frère. Non, laissez ça. Le gars a tout perdu. Il a mal joué. Tout ça à cause de quoi? Petite FECA foot là. Pardon. Petite FECA foot. Un garçon qui était présidentiable. Un qui était présidentiable. Le voilà devant dans la tourmente. On lui manque tout un respect. Qu'il rencontre le chef d'État. Hein, qui entre presque dans toutes les présidences. Tout un manque de respect total. Allez, c'est ça, dis donc. C'est un manque de respect. Je dis bien que c'est un manque de respect, les gars. Vous ne comprenez pas. Vous êtes naïfs. Vous êtes des fanatiques. Vous êtes plus fan d'Eto que de voir le danger qui pèse sur lui. Vous êtes seulement fan. On est tous dans l'émotion. Beaucoup de personnes sont dans... Moi-même, j'étais dans l'émotion. Et après, j'ai compris, les gars. Voilà, j'ai compris. Voilà. Quand tu es devant un gars comme Samuel Eto'o, ton côté doit être le côté des faibles. Parce que tu es en mission. Voilà. Tu es en mission. C'est clair. Mais quand tu choisis le côté de l'oppresseur, que je vais voter celui-là, le candidat président qui m'a tout donné. Mon ami, pour cela, mon frère, j'enlève mon cœur sur toi directement. Oui, c'est clair que Samuel Eto'o peut défaire le système. Il peut défaire quel système? Il peut défaire quel système? En faisant pas comment? Alors que lui-même, il est comme ça là. L'État a prêté l'argent à la FECA foot. Il y a 2 milliards, il y a 3 milliards. Mon ami, il suffit seulement qu'on lui colle une procédure, c'est fini. Il commence à fuir seul. Tu sais pas ça? Alors, on lui colle une procédure, c'est fini. Il commence à se chercher. Allez, allez, laisse les commentaires à 2 balles de l'eau. Il est là-bas au Cameroun. Hein? On le tient dans tous les sens. On te dit que ils ont tout verrouillé. On te dit que lui là, il ne peut pas se présenter aux élections. Il a la double nationalité. Va te présenter comment? Eux ils ont. Mais tu as les preuves. Tu as les preuves. Ils sont aux commandes. Eux ils ont la double nationalité. Mais c'est eux qui tiennent les manettes. Ils sont aux commandes. C'est eux qui choisissent qui vivent. Je connais un grand frère qui est maire, il y a une ville là-bas. Un grand que j'ai connu d'ailleurs. Mais oui, je connais un grand qui est maire. Alors qu'il a la double nationalité. Un grand frère que j'ai connu dehors. Parce qu'il est dans leur camp. Quand tu décides de prendre ton côté, c'est pourquoi on dit que dans la vie, l'homme prudent voit le mal de l'homme. Il y a le combat que combat. Parce que toi-même, ça va t'aider demain.
Voilà. Et si tu ignores cela, les mêmes là, ils te connaissent déjà assez. Ils vont utiliser ça pour te mettre hors d'état de nuit, hors jeu, d'office. On ne rêve même pas. Samuel Eto'o est déjà hors jeu. C'est tout. Vous rêvez ou quoi? Qui sera président? Il va passer par où pour être président? Il est déjà hors jeu d'abord. Il est disqualifié. Il a la double nationalité. Reconnu. Alors, reconnu. Et lui-même, il connaît déjà. Alors, Samuel Eto'o, il peut être président. Pas comment il va être président? Si les vrais Camerounais eux-mêmes ont les problèmes. Si les vrais. Mon ami, il faut quitter ici, mon frère. Est-ce que j'ai besoin de ton avis pour parler de quelqu'un? Pas besoin de toi pour parler de moi, mon frère. Est-ce que je suis un nouveau aujourd'hui que tu vas venir me dire que je croyais que je t'aimais beaucoup? Tu m'aimes que tu es ma femme. Je suis pédé. Mon frère, est-ce que moi je suis un pédé? Je ne suis pas un pédé. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Est-ce qu'il y a besoin de toi? On parle de quelqu'un qui a soutenu les bourreaux d'hier. Tu veux me parler des conneries qui n'ont pas de sens? Je croyais que toi, il y a besoin de toi, mon frère. Tu parles à qui comme ça? Est-ce qu'à mon âge, encore, on a encore besoin de certaines choses? À mon âge, on n'a plus besoin de certaines choses. On n'a plus besoin de la sympathie de certaines personnes. À mon âge, on n'a plus besoin de ça. À mon âge, on dit ce que je pense. Tu vois un gars vit loin en Indonésie. Est-ce que tu me vois comme un clochard? C'est toi qui paies mes factures chez moi. Petit idiot. On t'a question de fanatisme. Que ton combat a changé. Mais Eto'o fait partie d'un combat. C'est le système. Il a rallié le système depuis. Donc ça veut dire qu'on les regroupe ensemble. Tu vois pas au Sénégal comment on est en train de mettre certains gens de côté. Hein? Eto'o pourrait prendre position comme les Youssoundou. Ont pris position. Les Youssoundou ont pris position. Pourquoi ils ne pourraient pas prendre position? C'est sa conviction, non? Ah, c'est son choix, non? Ah, donc il est libre. Hein? Ah, bon, il est libre. Et puis nous aussi, on est libre de le soutenir ou pas. Alors c'est clair, nous aussi, on est libre. Nous aussi, on est libre de le soutenir ou pas. Il veut le soutenir pourquoi? Alors, ça veut dire que s'il voulait que les choses changent, il devait lui-même s'engager aussi. Quand on dit que les choses changent, c'est bien pour tout le monde. Vous croyez que c'est la blague? Ça devait être aussi bien pour lui-même qui est là comme ça. Là. Il n'a pas voulu que les choses changent. Vouloir que les choses changent, ça veut dire qu'on devait lui laisser travailler normalement, sans le brutaliser. Regardez comment il est en train d'être malmené. Pour un système qu'il a soutenu hier. Vous ne comprenez pas ça. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que Achou Kangongoli, c'est bien dans la vie, c'est comme ça. C'est un peu comme quand on dit que quand tu parles à l'enfant, il ne comprend pas. Quand les choses arrivent, mais il faut qu'il supporte. C'est clair. Tu veux que je vienne m'asseoir là pour dire ouais, vraiment, vous faites quoi comme ça à Samuel Eto'o? Il a pensé à nous-mêmes. Est-ce qu'il a pensé à nous hier? Dis-moi, il a pensé à nous hier. Hein? Quand il partait dit qu'il va voter le président candidat, il pensait à nous. Regardez-moi les gens comme ça, les égarés comme ça là. Les petits complexés. Je sais, je comprends, vous êtes tellement complexés. Vous êtes complexés du footballeur. Il n'est plus footballeur. Il fait partie des gestionnaires de la fortune publique. Il a la fécafoot. Voilà. C'est financé par l'argent du contribuable camerounais. Tu sais pas, tu ne comprends pas ça. Il est trop bête. Alors. Pas capable, bro. Il est trop bête. Vous êtes dans l'émotion. On a dit que je suis dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Moi, j'ai mes enfants là que sur le Cameroun. Je veux que le Cameroun change pour que. Parce que demain, si ça va bien, mes enfants vont aussi travailler. Voilà pourquoi je veux que le Cameroun change. Lui, il a préféré que les mêmes personnes soient au pouvoir. Et il veut quoi aujourd'hui? On va le soutient pourquoi? Ils sont nombreux là avec les Roger Mis là. Comment on va les soutenir? Comment? C'est les gens qui vont te dire que non, je ne fais pas la politique. Mais le moment venu, prendre une position. Il faut arrêter ça. On peut être hypocrite comme ça là. Arrêtez ça. Alors. Le silence est complice. Alors, les égarés comme ça, là. Vous ne connaissez pas la différence entre la star et quelqu'un qui gère la fortune publique. Aujourd'hui, il a un citoyen. C'est un citoyen qui gère la fortune publique. Là, c'est ta faute. Mais, mon ami, mon ami Dupont, moins de une minute, je vais me payer ici, là, mon frère. Non, non, ça ne donne pas mon frère. Comment j'entre et puis je dois payer mon frère? N'a aucun modèle d'être. Un petit complexé comme ça là.
Mon ami, je lutte aujourd'hui pour que mes enfants ne soient pas les aventuriers comme moi. Les aventuriers, voilà pourquoi moi je lutte. Donc si tu ne connais pas le pourquoi nous on défend les choses au Cameroun, c'est pour que ça marche bien. Parce que Eto'o lui-même là, posez-vous la question. Pourquoi il va chercher un coach de 1 600 millions? Alors que le même coach dans son pays touche 261 millions. Dans un pays qui est plus riche que le nôtre. Il faut arrêter ça. Hein? Petit complexé comme ça là. Lui-même là, ça n'a pas de responsabilité. Aujourd'hui, qui s'en prend contre lui? C'est nous. Ce n'est pas nous. Hein? Ce n'est pas nous. Hein? Ce n'est pas nous. Hein? C'est les gens qui l'ont soutenu hier. Attendez, où est mon problème dedans? On te dit que non, ma fille, voici le chemin. Mon fils, voici la route. Reste ici là. Au moins, tu es en sécurité. Tu décides de choisir un camp. De travailler avec eux. Et demain, le pic arrive. On doit avoir pitié. On a pitié. Vous êtes des villageois, en fait. Vous n'avez pas le niveau de compréhension. Vous êtes dans le dilemme des gens. C'est pourquoi on a dit que y a les Africains qui ne devaient pas avoir l'Android. Connaître, dissocier la part des choses. Les bandes de Tintin comme ça, là. Les bandes de Tintin. Vous ne pouvez pas demander que, mais, Eri, hein, pourquoi tel qui l'a soutenu hier? Où sont les papas là qui soutiennent chaque temps là? Ils paient les scolaires. Ils paient les. On appelle ça quoi là? Ouais, c'est quoi là? Ouais, c'est quoi médical là? Quand les vieux footballeurs sont malades, parce que Samuel Eto'o les interpelle, tous sont dans l'hypocrisie. Les évacuations sanitaires. Ils sont où? Ils sont où quand Samuel Eto'o paie les évacuations sanitaires? Ils doivent prendre position. Chacun doit justifier ce qui consomme. Les bandes hypocrites comme ça là. Les vendus. Mon ami. Bande d'imbéciles. Mon ami, je vends les cannes à sucre, ça me donne l'argent. Et tu dis que j'étais un problème. Je sais pourquoi je suis digne. C'est toi qui es là qui n'es pas digne. Tu ne vends pas les cannes à sucre. Tu es dans mon direct, tu me suis. Et que tu es mon fan, petit idiot. Man, je suis là. Ok. Alors, qui vous a donné l'Android? Qui vous a donné l'Android? Qui vous a dit que j'ai pitié de lui? Il y a pitié de lui. Il y a pitié de lui pourquoi? Il a soutenu ceux-là qui ont maintenu la misère des Camerounais. Voilà. Il y a ça après qui? Ça après qui? Il y a Tungu Teman. C'est né. C'est né là. Oh, ok. Vous êtes là. Quand vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre. Les bandes de Tintin. Continuez à supporter, restez dans la misère. Vous voyez les gens qui soutiennent, ils sont dans la misère. Alors c'est clair. Au moins, je suis un homme, je prends position. Ne prends pas position, reste là. Voilà. Au moins, les José Antoine Ben prennent position. Petit Tintin. Que va vendre les cannes? Et tu es dans mon direct, tu souffres. Il a fini ta connexion. Tu vas souffrir. Que le Seigneur te localise. Je vends mes jus de canne. Un vendeur de canne à sucre. Un vendeur de canne à sucre qui est tranquille. Qui a une vie normale. Merde. C'est moi qu'on humilie. C'est moi qu'on humilie. C'est moi qu'on est en train d'humilier. C'est pas moi qu'on est en train d'humilier, les gars. ouais, c'est vrai. mon frère, je parle français. Vous faites quoi? Le français me sert à quoi, mon frère? Oh oh. Et toi, lui-même parle français. Il n'a pas réussi dans sa vie. Et toi, lui-même parle français. Si tu insultes mon français, ça veut dire que tu insultes Samuel Eto'o, qui a réussi sa vie normalement, mais qui a décidé de marcher avec le diable. Qui refuse. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a mérité sa vie. Maintenant, là, il a décidé d'aller travailler avec les mauvaises personnes. Et qu'il assume ce qu'il arrive. Vous croyez qu'on va dire quoi? Non, il a réussi sa vie. Il a joué au ballon. Il a mérité. Il a mérité. Il mérite son succès. Il mérite ses milliards. Qui refuse cela? C'est ça la différence entre vous et nous. Nous, on reconnaît son talent. On reconnaît son talent. Mais regardez comment il est en train d'être humilié. Manquer le respect par ceux-là hier que lui l'a soutenu. On peut faire ça, mon frère. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Est-ce que tu peux nous voir là où on manque le respect à Samuel Eto'o? Hein?
Est-ce qu'il peut manquer le respect à Samuel Eto'o? Ok. Mon Gibson, now, je suis en direct. Hein? Je suis en direct. Je suis à mon ami de longue date. On va manger le couscous. On va manger le couscous. Couscous. Salut les fans, salut les fans. Voilà. On va manger le couscous africain. Voilà. Voilà. Samuel Eto'o lui-même n'est pas sérieux, il faut laisser. Pas porter les Obama, les incompétents, les gens qui ont la poisse. Les gens qui sécrètent la poisse. On ne sait pas où. Vas-y, pas comme ça. Comme ça, ok. Bon, les gars, je vais vous laisser, les gars. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser, les gars. Ton téléphone, ils sont là. Hein? Oh, le général palestin. Mon président, ça dit quoi? J'espère que vous allez très bien. Donc, que chacun assume, les gars. Voilà qu'on est en train de manquer de respect aux champions des champions. Aux champions des champions. Oh, oh Seigneur. Ça fait vraiment mal, hein. Comment ça? Ça fait vraiment mal, hein. C'est-à-dire qu'on consulte quelqu'un sans te consulter. On sélectionne quelqu'un sans te consulter. On te dit de venir signer. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Je me garde toujours quand il vient ici là chez toi, mon frère. Alors que c'est très facile. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, hein. Tu tournes de l'autre côté là-bas et puis tu rentres là. Aïe, 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 aïe. Les gars, je vais vous laisser alors. Voilà. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal quand même. Le ministre a décidé d'humilier Samuel Eto'o. Ce n'est pas bien. Moi, le combi doit quand même respecter Samuel Eto'o. Voilà. En tant que grand footballeur. Et que le football là, c'est sa discipline, au moins. On peut lui reprocher tout. Mais quand même, il faut qu'on le respecte. Faisons les choses dans le respect de l'art. Dis-le que bon petit frère, voilà, tu voulais sonner les gens, voilà, voilà, voilà. Le puits là, c'est trop cher, voilà. Quand même, tout un manque de respect, dis donc, c'est malin. On passe par comme ça ou bien tout droit. Oh, Niaman, comment tu vas? C'est clair, ah, mon frère, moi je suis là, je fais mes directs pour conscientiser les gens, c'est tout. Si le jeune qui comprend, il a compris. Nous sommes nombreux là à réussir et on peut embrasser les mêmes bourreaux d'hier. Et quand ils nous font du mal, oh, il m'a abusé. Moi j'ai été abusé par un grand frère hier qui me chocoyait. Je savais que c'était une mauvaise personne, le grand là. Je suis rentré de mon voyage, je lui ai donné 5 millions comme prêt. Il a solam. Voilà. C'est que Samuel est en train de vivre aujourd'hui. Voilà. C'est que Samuel est en train de vivre aujourd'hui. Voilà. En fait, il a même déjà dit tout, non? Que c'est l'équipe nationale A, là. C'est la propriété de l'État. C'est la propriété de l'État. Il y a une vidéo où Samuel Eto'o dit ça. Moi, mon problème, c'est quoi? Hein? Ah. Bon, je bloque ce monsieur. Parce qu'il me rend compte qu'on est les camarades ici, là. Je te bloque. Regarde comment tu vois, c'est moi qui commande, non? Quand je vais te bloquer, même tes commentaires vont disparaître. Tu vois, hélas, c'est fini comme ça là pour toi. Tu vois, je peux te donner le pouvoir de parler dans ma maison, c'est-à-dire dans mon direct. Comme je peux te dire, tu ne parles plus. Bon, le bon à rien, regardez le nom d'une femme. Hein, là, je vois la photo d'un homme, il a mis le nom d'une femme. Tu vois, voilà les hommes émasculés. Hein, les hommes émasculés, qui n'ont pas de couilles. Tu comprends, bon, je te bloque. Money, money, goodbye. J'ai bloqué. Voilà. Donc, que chacun apprenne à être digne. Voilà. Tu es digne, tu vas vivre pour longtemps. Voilà. Et la manière que le gouvernement se comporte, il se comporte comme le diable. Il se comporte comme le diable. Ils n'ont pas pitié de toi. Voilà. Bientôt, on va lui dire que monsieur démissionne. Alors, on voit que tu veux d'ailleurs nous humilier. Tu veux nous afficher.
faut démissionner, mon frère. Démissionne, démissionne. Démissionne. Tu veux nous déranger dans autre chose. C'est comme ça que ça va finir bientôt là. Voilà. Bientôt, on va appeler Samuel Eto'o. Comme monsieur, tu démissionnes. Ah oui. Démissionne. Tu ne démissionnes pas, et c'est parti. Hein. On passe à autre chose. Mon bon petit, comment tu vas? Toi, avec tes histoires de Boza, là, ça commence à me fatiguer. Hein. Franchement, ça commence à me fatiguer. En fait, parce que cette fois, tant que le jour sera bien, c'est bien. Sinon, il faut renoncer. Parce que bientôt, là, je vais faire de mon mieux, mais bientôt, là encore, je serai obligé de te bloquer. Parce que là, ça, quand c'est trop, c'est l'air. Qui t'a dit que le succès dure comme ça, là? Et le Boza n'est pas un succès en tant que tel. Hein. Tu risques ta vie. Hein. Tu risques ta vie. Tous les jours, on te refoule, on te jette en bas. Tous les jours, on te jette en bas. C'est quoi avec toi? Hein? Ça fait combien d'argent? C'est seulement 1000 euros. Ça fait combien? 1000 euros seulement. Et c'est plus. Le temps est en train de passer. Tu vieillis dehors. Bientôt 7 ans. C'est quoi? C'est quoi? Alors? C'est quoi même? C'est quoi même avec toi? Qui t'a dit que le succès est dû comme ça là? Non. On n'avait pas duré comme ça. Hein. On n'avait pas duré comme ça. Ah, notre, mais nous, on négligeait même. Hein. On négligeait, on cherchait notre argent. Et toi, tu es tellement concentré que tu es toi en train de chercher ton argent, l'argent. Tu cherches l'argent pour donner quelque part. Hein. Tantôt, on t'abuse, tantôt, on te refoule, tantôt. C'est quoi avec toi? C'est quoi? Alors? N'appelle pas ton nom. Tu comprends, m'adresse à toi. M'adresse à toi. Il faut que tu me comprennes bien là. Voilà l'autre qui est quitté loin derrière là-bas. Tu es parti, ça fait 4 ans. Lui, il est venu l'autre jour, il a traversé. Tu connais de qui je parle? Le mécanicien. Voilà. Et toi-même, tu connais faire quelque chose. Je ne sais pas comment tu vis là-bas. Mais sache que bientôt, je suis fatigué. Voilà. Je suis fatigué. Voilà. Je te dis-moi comme ça. Parce que le message que tu m'as envoyé avant, hier là, je ne suis pas content. Voilà. Et tu sais, le chemin que tu prends, c'est un chemin illégal, non? On va te donner l'argent. Tu vas aller mourir là-bas. On va dire que, oh! Il ne voulait pas t'aider. Il t'a envoyé mourir. Donc, on n'appelle jamais mon nom. Pourquoi je passe toujours par quelqu'un d'autre pour t'aider? Ne veux pas moi me mêler dans ça. Parce que si ça marche, voilà, c'est bon. Mais si ça ne marche pas là-bas, le pire peut arriver. Là, on m'accuse. Et c'est normal, je suis en infraction. Voilà. Il faut aller réfléchir à autre chose. Parce que là, c'est trop zélé. Chacun a ses problèmes. Là, c'est le problème. Je te dis parfois, évite aussi de te concentrer sur quelque chose. Que je vais partir, non. Apprends aussi à faire autre chose. Voilà. Tu connais ton métier. Engage-toi dedans. Engage-toi. Hmm? Tu es arrivé dans le pays, tu as ta carte de séjour. Après ça, tu es quitté au Maroc. Pourquoi? Pourquoi tu es quitté au Maroc? Alors que tu avais ta carte de séjour au Maroc. Hein? Tu travailles au Maroc. Pour Boza, tu ne tues pas en Algérie, tu ne tues pas en Libye, tout ça. Chaque jour, refoulement, c'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Quand vous parlez, vous pouvez comprendre. C'est marrant, hein? M'adresse à toi. Voilà. M'adresse à toi. Il faut que tu sois sérieux, là. Le temps passe. Voilà. Et le temps passé ne revient plus. Voilà. Parfois, là, ça ne va pas avec nous. Peut-être ton destin est ailleurs. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. La chance existe, mais ce que tu fais doit aussi être compatible avec toi. La chance existe, mais il faut que ce que tu veux faire là soit compatible avec toi. Voilà. Parfois, tu forces dans quelque chose qui n'est pas compatible avec toi. Et ça ne peut jamais te réussir. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre, il ne s'intéresse pas trop à ça. Mais ça va avec lui. Parce qu'il ne force pas. C'est sa chose. Et on n'échoue pas tout parce que on n'a pas les qualités. Non, c'est pas ça, ça ne donne pas avec nous. Moi, j'ai connu des amis. Hein. Connu des amis. J'ai fait des pays avec eux, c'était des clochards. Ils commandaient tout. Ils demandaient tout, même la maison pour payer, c'était les problèmes. Même les papiers, il n'a pas eu là-bas. Mais là, ailleurs, on l'a tout donné à un laps de temps. Pourquoi parfois il faut quitter? Quitte quelque part. Là où tu avais eu ta carte de séjour là-bas au Maroc, il fallait rester là-bas.
Ayman, c'est comme ça. Alors, tu devais rester au Maroc là-bas. Alors, au moins tu étais déjà en règle. Que tu parles dans les, partout, badanina, là. Tu peux m'adresser à notre petit frère. Ok, voici l'autre, je dois le bloquer. Il parle du français. Regarde comment je te bloque alors. Ah, comment je te bloque. Obiapo parle français, notre pays ressemble à quoi? Il faudra bien corriger ton français. Obia, les technocrates, les diplômés de Harvard. Hein? Lui-même, il a fait la Sorbonne. Le Cameroun ressemble à quoi? Le Cameroun ressemble à quoi? Avec la poussière partout. Donc voilà qui est scotché. Le matin, sur le direct de quelqu'un qui est dans un pays où il est à 17h. Il est à 17h ici là. Il est quelle heure maintenant? Il est où? C'est 16h déjà. Il est à 15h ici là. Donc, je suis dans mes occupations. Tu es là dans un pays où la connexion à peine tu n'as même pas. Tu es là en train de me suivre. Tu me dis de corriger bien mon français. C'est ma langue. Hein, mon frère, je suis français. Je suis français. L'essentiel, c'est qu'il y a les gens là qui sont scotchés depuis là pour me suivre. Plus de 500 personnes tout à l'heure là. Ils étaient là le matin pour suivre quelqu'un qui parle mal français. Mais qui est cohérent au moins. Qui a un sens de responsabilité. Qui a une vision de la vie. Voilà. Qui souhaite le meilleur pour tout le monde. Hein? Un petit Toto vient me parler fort. Respecte d'abord là où je suis, à des milliers de kilomètres. Je suis en règle dans un pays des gens. Au bout du monde, en Indonésie. Il faut d'abord respecter là où je suis. Je suis en Indonésie, dans la voiture, dans un autre pays. Pendant ce temps, il y a les Indonésiens qui marchent à pied. Il faut respecter d'abord cela. Quand ils parlent mal français. C'est ce que j'ai dit qui est important. Tintin. C'est ça, les gens, ils croient qu'il va venir faire quoi? Tu as fait honte à qui? Le temps là est révolu, dépassé. Où les gens avaient honte de s'exprimer, que non, ils parlent mal. C'est ce que tu dis qui est important. Nous, on parle mal, mais on a fait des vidéos où les chaînes de télévision, vos chaînes de télévision ont pris, mettre dans les chaînes pour parler de nous, pour faire toute une émission. Ah oui. Nous, on a fait des choses, les visions 4 ont pris. Fait un débat sur nous, 11 minutes. Et tous les panélistes ont dit que le monsieur a raison. Toi, tu as fait quoi? Petit tintin que tu sois, petit complexe que vous soyez. On vous a dit que le complexe est révolu. On nous a trop trompé pendant longtemps. Je pense que les réseaux sociaux vont changer le monde. On a passé le temps à dire que non, il parle mal français. Et puis quoi? Les bandes d'esclaves comme ça, les sous-préfets de Paris sont à la tête des états comme africains. Qu'ils parlent bien français. Devant petit Macron, il se courbe comme ça là. Alors, comme ça, chapeau à la libération de l'Afrique. Le ton vient de l'Afrique, de l'Ouest. Et bien, capitaine Ibrahim Traoré, quand tu vois l'homme parler, tu sens qu'il est debout. Voilà. Quand tu vois le président sénégalais, Bassirou Faye, tu sens qu'il est debout. Ousmane Sonko, les gars debout. Le président du Niger est debout. Voilà. Les gars debout, voilà les vrais gars. Alors, regarde, comme avait dit le président burkinabé, Ibrahim Traoré, il a dit qu'ils sont capables de te critiquer en français. Mais attendez, mais que lui aussi vient parler ma langue. Que lui aussi vient, il parle ma langue, il entre dans mon monde. Il va voir qu'il sera un illettré. Regardez, c'est vrai. Qui vient parler ma langue maternelle? Il va voir qu'il sera un illettré. Donc chacun illettré à son niveau. Bande d'imbéciles que vous soyez. rectifie d'abord ton français. Regardez-moi ça, c'est ma langue. Tintin que vous soyez. Jeune Africain, sortons dans cette démarche-là. Que j'ai peur de parler parce que je vais mal écrire. Exprime-toi. Pourquoi c'est difficile pour moi de critiquer quelqu'un qui a mal écrit français ou bien qui s'exprime mal? Non. C'est son idéologie qui m'intéresse. C'est ce qu'il veut dire. C'est le sens de ce qu'il est en train de dire qui m'intéresse. C'est comme ça. Voilà. Et regardez bien, quand vous voyez tous ces peuples-là qui s'attardent à la manière de parler, et c'est un comportement de l'Afrique centrale. Regardez bien. Cameroun, Gabon. On s'intéresse trop à la chose. Il est mal habillé. Il parle mal français. Oh, regardez bien. C'est les pays sous-développés. Tous ces pays-là. Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cameroun. Hein? Tous ces pays-là, regardez bien. Les gens de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas ce comportement-là. Non. Elle a changé. Hein? Oh, j'ai oublié. Ouais, ils n'ont pas ce comportement-là. De s'attarder sur
voilà, sur le physique de quelqu'un, sur l'habillement de quelqu'un. Regardez les Sénégalais, ils n'ont pas de problème. Voilà le président, ils sont là dans leur boubou. Et demain, on s'indigne, on s'offusque que, mais pourquoi, voilà, nos habits traditionnels ne se vendent pas assez. Ça ne se vend pas, pourquoi? Parce que nos leaders, eux-mêmes, sont colonisés psychologiquement. Tu vas faire comment pour transcender ça dans la tête d'un Sénégalais? Pour qu'il oublie sa culture. Regardez le président sénégalais, il est là en boubou. Il est là en boubou. Pendant ce temps, chez nous, costume, tout et tout. Regardez. Voici le quatrième population mondiale. C'est le batik. Voici les Kassé-Bolo. Le batik. C'est ça. Ils ont remis ça à Mandela. Ici, là, tout le monde se conforme. Même les diplomates ici, là, tout le monde s'habille en batik. Parce que tellement, ils portent ça si bien que chacun s'arrime. Chacun s'arrime à la donne. Les bandes d'imbéciles comme ça, là. Que vous parlez bien français. Tu vas voir, le salopard lui-même ne connaît même pas 2 mois sa langue maternelle. Il vient dire à moi, un Africain, africanisé, et que parle bien français d'abord. Imbécile que tu sois. Ouf. Égaré. Je suis égaré. J'ai eu la chance, la grâce d'avoir voyagé, mais mon plus grand cadeau, c'est d'avoir fait l'Asie, l'Indonésie. Mande, c'est où? Alors, l'Indonésie. Les langues d'abord, les cultures d'abord. Les langues d'abord, les cultures d'abord. Non, Sandine Chamba. Hé, hey, Sandine Chamba, ton collier est là-bas. Hein? Envoie-moi ton adresse. On t'envoie tes trucs. Maintenant, si tu vas acheter ce que tu vas acheter, tu achètes. Sandine Chamba, ma soeur, j'en ai pour pas. Voilà, votre collier est là-bas en France. Donc, envoie-moi ton adresse. Je vous avais promis, je vais vous donner. Envoie-moi votre adresse. C'est où, moi, là? C'est ici, là? Oh, non, c'est ici. Le collier, là. Que le français parlait même d'abord où? Le français parlait où? Garage, hein, t'es là, bon, hein. Elle est sauvée aujourd'hui. Mmh. Elle est où? Ah, ah, ok. Les bandes égarées comme ça là. Quand tu sors de l'Afrique centrale là-bas, nous les colonisés, à part ça, tu vas encore voir le français là-haut. C'est quelle langue même d'abord? Alors, il y a les pays à eux seuls qui parlent la langue la plus parlée du monde, la Chine. Les pays à eux seuls qui parlent la langue la plus parlée du monde. Voilà. C'est comme le malais. Le malais. La langue malais là, que les Indonésiens parlent, que les Singapouriens parlent, les Malaisiens parlent. C'est parmi les 5 langues les plus parlées du monde. Ah oui. Bande d'imbéciles. Bon les gars, je vous laisse. J'avais passé le message. Et merci d'avoir partagé. Voilà. On est ensemble.